Coucou mes princesses, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est une vidéo swap. J'en ai finalement fait un et je ne regrette absolument pas. Je suis super excitée d'ouvrir le paquet. Alors, ce swap, je l'ai réalisé avec ma nouvelle copine de la page Facebook Mademoiselle K. Elle est algérienne, elle est vraiment extraordinaire, elle est très 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 gentille, elle est adorable. Sa page Facebook est une page beauté bien évidemment, elle donne beaucoup de conseils, elle partage beaucoup de choses avec nous. Et en fait, ça fait quelques mois, je l'ai contactée justement pour lui proposer de faire le swap parce qu'en fait, je suivais son fil d'actualité, je regardais un peu ce qu'elle proposait dans ses articles, dans ses posts et tout ce qui s'ensuit, et je trouvais qu'elle avait beaucoup d'élégance, beaucoup d'aisance, beaucoup de classe dans ses posts, et franchement ça m'avait beaucoup attirée. Et puis voilà, de fil en aiguille, on a sympathisé, on a beaucoup discuté via les réseaux sociaux et on a décidé de faire ce swap. Alors on en avait parlé au mois de juin. Je sais, ça fait long, mais en fait, je ne peux pas faire de swap trop vite. Il me faut beaucoup de temps parce qu'il faut déjà, il faut que je choisisse les produits tout doucement. Et ensuite, il faut que je prenne le temps et puis voilà quoi. Donc, depuis le mois de juin, on a pris le temps de faire notre swap doucement, doucement. On avait rempli un questionnaire à la base, tout à la première fois on va dire, pour un peu connaître nos goûts, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, pour ne pas faire de, pour ne pas acheter l'une à l'autre quelque chose qu'elle n'aimerait pas. Et de fil en aiguille, ben on a pu excusez-moi, se cerner un peu. Et puis voilà, le swap est né. Alors la semaine dernière, comme vous le savez, pour les filles qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'étais chez mes parents sur Alger. Et du coup, on en a profité pour échanger nos swaps. Malheureusement, on n'a pas pu se rencontrer. C'est des choses qui arrivent. Mais ce n'est que partie remise parce que franchement, c'est devenu ma copine. Donc voilà. Alors, je vais déjà, pour, avant de commencer, je vais vous mettre sa page Facebook en barre d'infos. Je vous invite à aller visiter sa page, à liker sa page, parce que franchement, vous ne regretterez pas. Elle a beaucoup de classe et d'élégance, comme je vous l'ai dit au tout début. Et franchement, c'est agréable à voir. Franchement, tous ses posts sont très agréables à voir, sont très jolis, très intéressants. Voilà, voilà. Alors, je vais vous montrer le paquet qu'elle m'a envoyé. Il se présente comme ceci et j'ai eu une lettre dedans que je vais vous lire. Alors, pour toi, ma chère Neyla. Alors, ma chère Neyla, regardez comme c'est joli. Le papier est trop mignon. Alors, j'ai adoré préparer ce swap. J'espère que les articles que je t'ai pris vont te plaire. Je viens de découvrir que je suis très nulle pour les emballages de cadeaux. T'inquiète pas, je suis pire que toi. Lol. En tout cas, j'ai vraiment pris du plaisir à les préparer. Bonne continuation pour ta page et ta chaîne YouTube que j'adore. Je suis fière de toi et je t'encourage pour la suite. Je te souhaite plein de réussite dans tout ce que tu entreprends. Et surtout, reste comme tu es et ne change pas. Je t'adore. Porte-toi bien, ma belle. Et je te fais d'énormes bisous, Xoxo. Alors, que dire? Franchement, tu sais bien que moi aussi je t'adore. Tu sais très bien que moi aussi, franchement ça me touche, je suis un peu perdue. Et comment dire? Ben, moi aussi je te souhaite beaucoup beaucoup de bonheur, beaucoup de bonnes choses dans ta vie. Parce que franchement tu es une fille extraordinaire et tu le mérites amplement. Merci beaucoup, merci. Alors, ce que je vois déjà, regardez, je ne sais pas si vous allez le voir, mais avant qu'on ouvre le papier crépon, en fait, on voit ça. Et c'est écrit dessus, pose gourmande, miam. Alors, oups, non, 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 tu ne te barres pas. Alors, c'est des Haribo Tagada, c'est mes bonbons préférés en plus. Mais je ne me souviens pas d'avoir dit que j'aimais les bonbons Tagada dans le questionnaire. Je t'ai dit que j'aimais les bonbons, enfin, je ne sais plus, hein. Et en tout cas, merci, je vais me régaler et je vais les cacher sinon Fred va me les manger. Et du chocolat.
Miam. En plus, c'est du Milka à l'Oreo, un de mes préférés. Je suis vraiment contente. Merci beaucoup. En fait, je vais aussi vous dire un truc. Je ne sais pas du tout quelles vont être mes réactions face au truc. Je peux être tout à fait hystérique comme je peux être... je sais pas du tout. Donc, on verra ensemble. Alors, je vais ouvrir. Waouh. Regardez-moi ça. Alors, on a un menu. Et ensuite, on a ceci. Le paquet cadeau est très très joli. Regardez un peu comme c'est joli. La couleur est sublime. Je vais essayer de faire attention de ne pas tout déchirer. D'ailleurs, j'ai fait une gaffe, j'ai pas ramené de ciseaux. Non, non, il est là. Oups. Il est là, mon ciseau. Alors, le menu, on va suivre selon l'ordre. Et le tout premier, c'est écrit... La découverte de cet été, j'y suis accro. Alors, numéro 1, c'est écrit dessus, ça sent bon. On va ouvrir ceci. C'est une petite fleur, c'est trop mignon. J'ai gardé tout ça, c'est trop beau. Comme vous pouvez le voir derrière, j'ai plein de petites fleurs, plein de petits trucs collés, des papillons, des trucs. Et j'ai changé ma guirlande. J'espère qu'elle vous plaît, celle-là. Je l'adore, en tout cas. Je l'ai eue dans Maison du Monde pour ceux qui vivent en France. C'est quoi? Voilà ce que je vois au tout début. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Allez, s'il te plaît, j'ai pas envie de déchirer le papier. Ouh. Alors, c'est de la crème pour le corps ultra riche pour les peaux sèches à l'amande douce de Gène de en Provence, établie en Grasse depuis 1978. Ça se présente comme ceci, c'est très 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 joli, vraiment. Et le couvercle aussi est trop mignon. La couleur vert d'eau est magnifique. Je sais pas si vous aimez ça. Je vais essayer d'ouvrir un tout petit peu pour sentir. Il est fermé. Ça sent l'amande douce. Oh, merci. J'ai hâte de tester. Je n'ai jamais testé cette marque. Je ne connais pas du tout. Mais en tout cas, la boîte est sublissime. Franchement, j'adore. Merci. Je pense que je vais dire merci souvent. Hein. Mes excuses d'avance. Alors, pour le numéro 2, parfait pour une bouche glossy. C'est celui-ci. Je pense que c'est sûrement un gloss, une bouche glossy. Je sais pas, hein, on verra bien. On verra bien. Allez. Oui, c'est un gloss. Waouh, la couleur est trop belle. De chez Maybelline, le Color Show by Colorama Lip Gloss. Voilà comment il se présente. Il est très très beau. Il est pailleté. Il est bois de rose pailleté. On va essayer d'ouvrir ça. Il n'a pas vraiment d'odeur. Et oh, il est très très pailleté, on va dire. Oui, pour une bouche glossy, c'est parfait. Il se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Il est très joli, vraiment. Merci beaucoup. Pour le numéro 3, mon coup de cœur pour des yeux de biche. Les yeux de biche, les yeux de biche. C'est celui-ci. Alors, vous en pensez quoi, vous? Un mascara? Un eyeliner? Hein, les filles? On verra bien. Alors, eyeliner. Oh, je ne l'ai pas celui-là. Je ne l'ai jamais testé. Alors, c'est Master Precise. Et c'est un liquid eyeliner, couleur intense, waterproof, point de précision, qui se présente comme ceci. En fait, c'est un eyeliner feutre.
Je t'en ai envoyé un, toi aussi. J'espère qu'il va te plaire. Mais pas de la même marque. Merci beaucoup. On va le tester, hein. De toute façon, j'adore les eyeliners, c'est un truc que j'adore, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, on poursuit avec le numéro 4 pour chouchouter tes jolies mains. Mes jolies mains. Regardez-moi ça. Alors, tu sentiras bon l'amande douce. Hihihi, l'amande, pardon. Alors, regardez-moi ça, et elle a écrit ça derrière. C'est trop mignon. C'est un tube. Alors, ça doit sûrement être une bonne crème à l'amande, vu que je vais sentir l'amande. Et je sais pas vous, mais moi j'adore les crèmes pour les mains. C'est un truc que j'adore. Ah, super! C'est de la même gamme que le tout premier produit en fait. Regardez, c'est toujours Jeanne de Provence. Alors. Crème main réparatrice, amande douce. On va tester ça tout de suite. L'amande douce, en fait, l'odeur de l'amande douce, moi je trouve que ça se marie très très bien avec l'automne. Donc ces produits-là seront parfaits pour l'arrivée de l'automne qui ne va pas trop tarder, je pense. Donc. Parfait, parfait, merci beaucoup. Et le packaging, waouh, il est vraiment très joli de cette marque, franchement. Les deux produits, moi j'adore la couleur vert d'eau comme ça, et franchement c'est sublissime. Très très joli. Waouh, merci beaucoup. Alors, pour le numéro 5, une touche de couleur pour l'été. Le numéro 5, le numéro 5. C'est pas lequel c'est. Il est là. Alors, c'est ceci. Hein? On me demande bien ce que c'est. J'ai jamais testé cette marque. Alors, c'est une palette de fard à paupières de chez H&M et c'est la Shimmer Eyeshadow avec 5 couleurs. Franchement, très jolie. Très très jolie. Les couleurs sont sublimes. Pas si vous allez voir quelque chose. Elles sont pastel, elles sont très très jolies. Regardez-moi ça. Franchement, avec ça, je vais me régaler. J'adore les couleurs pastel comme ça. Merci. Merci, merci. Alors, le numéro 6. Je suis tombée amoureuse. Il fallait que je te le prenne. T'es tombée amoureuse. On va voir. On va voir, on va voir. De qui? De quoi t'es tombée amoureuse? Ouh là là, ouh là là, ouh là là, t'es sérieuse, t'es folle, t'es dingue. Waouh, waouh. Waouh, elle est folle. Folle. En tout cas, c'est mon tout premier rouge à lèvres Yves Saint Laurent là. C'est un vernis à lèvres rouge couture. J'essaie de faire gaffe, j'ouvre tout doucement. Là 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 là. Regardez-moi ça. Elle est folle. Elle est tout simplement folle. Voilà la couleur. Elle est dingo. Merci beaucoup, mais il fallait pas, c'est trop franchement. Mais bon, je comprends de quoi t'es tombée amoureuse là, franchement. Merci. Aïe aïe aïe.
D'accord. Alors, le numéro 7, pour une touche glitter sur tes ongles. Alors, le numéro 7, c'est celui-ci. Et vu qu'elle parle d'ongles, ça doit être un vernis à ongles. Allez, s'il te plaît. Ouvre-toi, petite chose. Voilà. Glitter, glitter, glitter. D'accord. Alors, c'est un vernis 3D de chez Golden Rose. Et en fait, je l'ai déjà. Et franchement, il est trop bien. Et j'ai exactement la même couleur. Je sais pas si vous... Non, je pense pas que vous voyez en haut. Mais si vous arrivez à voir en haut, il est en haut. Et en fait, c'est une sorte de gel transparent avec beaucoup de paillettes dedans. Et ça fait un effet 3D. Il est sublissime. Et je regrette pas d'avoir une deuxième bouteille. Parce qu'en fait, c'est une couleur... C'est un produit... que j'adore vraiment. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, même si mon vernis n'est pas très joli aujourd'hui, mais c'est celui que j'ai posé sur le bleu ici. Voilà. Merci beaucoup, parce que franchement, même si je l'ai déjà, je regrette pas d'avoir une deuxième bouteille parce qu'il est trop bien. C'est un sublime top coat. Le 8. Je ne sais pas si tu as déjà testé cette marque, j'espère qu'il va te plaire. Le numéro 8. Elle m'a mis beaucoup de bonbons, je vous ai pas dit ça, mais regardez-moi ça. En fait, dans le carton, il y a pas mal de petits bonbons comme ça. Et c'est super génial, je vais me régaler. Alors, je cherche le numéro 8. Il est là. Je l'ai trouvé. Alors, on va voir cette marque. C'est laquelle ? Allez, s'il te plaît. Voilà. Oh, The Balm. Ah non, j'ai pas encore testé cette marque. Oh là là. Oh là 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 là. D'accord. Ça s'appelle The Hot Mama. Le packaging est trop bien. Alors. Waouh, regardez-moi ça. On dirait un tout petit livret. Et en fait, regardez, waouh, qu'est-ce qu'il est mignon. Regardez la couleur comme elle est jolie. Et en fait, ça peut s'utiliser comme blush et comme fard à paupières. Non, cette marque me faisait de l'œil depuis un bon moment. Et parce que Sandrée à 26 France en avait parlé il n'y a pas très longtemps. Et en fait, je n'ai jamais eu l'occasion de tester. Donc je suis ravie, plus que ravie de tester ce produit. Merci beaucoup. Franchement, tu as su taper dans les produits vraiment sublissimes. Jusqu'à maintenant, je suis super contente. Merci beaucoup. On va continuer. Alors, le numéro 9. Un vernis de plus pour ta collection. Oh, je ne dis jamais non pour un vernis. J'adore ça. J'en change chaque semaine, on va dire. Pour les pieds et pour les mains. J'adore ça. Alors, vu le tube, je pense que c'est un Flormar. Je ne suis pas sûre. Oui, il est beau, hein. C'est un Flormar. C'est la gamme Super Shine. Shine and Hot. Je ne connais pas le Shine and Hot. Mais la couleur, waouh. C'est le numéro 25. Regardez-moi cette couleur, comme elle est jolie. C'est une sorte de caramel irisé très clair. Ouh là là, sublissime. J'adore la couleur, franchement. Voilà. Pour celles qui veulent connaître la référence, c'est le numéro 25. Alors, le numéro 10,
Et assorti à ton vernis. Et assorti à ton vernis. Donc le vernis que je viens de vous présenter sûrement. D'accord. Ouh là 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 là. C'est un color tattoo de chez Maybelline. J'en ai deux, mais j'ai pas cette couleur. Et franchement, elle est sublissime. Et c'est vrai que c'est assorti au vernis. Alors, c'est une couleur très chaude. Je vais essayer d'ouvrir l'intérieur. Les color tattoo, c'est des fards à paupières crème. Très, très, très pigmentés que j'aime énormément. D'ailleurs, j'ai utilisé un blanc pour mon mariage. Et je ne regrette pas du tout parce qu'en fait, je l'ai mis en coin de l'œil interne. Et ça m'avait ouvert le regard. Ça m'avait apporter beaucoup de lumière. Et puis c'est un produit qui est longue tenue, on va dire, malgré les événements, parce que comme vous savez, mariage, chaleur, nanani nanana. Et franchement, ils sont excellents. Wow, la couleur est sublime, regardez-moi cette couleur. Trop jolie pour l'automne qui arrive. Franchement, je suis ravie. Alors, c'est le On and Bronze. C'est le numéro 35. Voilà, c'est une sorte de bronze caramel comme ça. C'est très joli. Magnifique. Alors, le numéro 11. Il paraît que tu aimes les senteurs fruitées. J'adore ça. Ça, j'avoue, c'est mes odeurs préférées. Alors, on va voir ce que c'est. Voilà. J'arrive pas trop. On va ouvrir par en bas. Oh là là. D'accord. Toujours de la gamme Jeanne en Provence. Et c'est un gel douche plaisir d'été pêche abricot qui se présente comme ceci. La bouteille est splendide. Elle est trop trop belle. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais elle est sublime. Et on va sentir ça. Ça sent trop bon. Ça sent l'abricot. Je vais me régaler. Franchement, merci beaucoup beaucoup. La bouteille est splendide, franchement, c'est un régal de regarder ça, c'est très très féminin, c'est très joli. Je suis ravie de découvrir une marque que je ne connaissais pas, c'est super. Le numéro 12, une nouveauté d'une de tes marques fétiches. Alors là, je sais pas du tout ce que ça peut être, sincèrement. Le numéro 12, pour tes beaux yeux, c'est écrit comme ça, sur ce joli petit cœur, magnifique. Merci. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ouh! D'accord! Je ne sais pas si ma copine Jessica de la chaîne Tite Dye va regarder cette vidéo, mais elle a posté sur son Instagram une photo où elle a parlé de ça, comme quoi elle vient de l'acheter. Et je lui avais dit « Waouh, ça a l'air trop bien, j'ai hâte que tu en parles en vidéo et tout ». Finalement, je l'ai aussi. Alors, c'est une palette de chez Kiko. Et cette fois-ci, quand je suis partie en France, vu que j'avais acheté certains produits déjà sur internet, sur Kiko, je ne suis même pas allée faire un tour, donc je ne savais pas qu'ils avaient fait une palette. D'accord, waouh, elle est trop belle. Queen of Hearts Eyeshadow Palette. Waouh, c'est quoi ce délire? Franchement, ils ont fait gros, hein. Regardez-moi ça. Elle est trop jolie. Va ouvrir ça. Ouh là là, c'est une sorte de gamme de luxe ou quoi qu'ils ont fait, Kiko? Regardez-moi ça.
C'est trop joli. C'est la numéro 3, élégante, élégant ebony. Et c'est quatre couleurs nude. C'est vraiment sublissime. Hyper méga pigmenté. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. Et avec un énorme miroir, je sais pas si vous allez le voir. Regardez-moi cette pigmentation. Trop, trop bien. Là, franchement, je suis plus que contente. Finalement, je ne fais pas de mon hystérique, mais franchement, j'avais vu ça il n'y a pas très longtemps, justement, je viens de le dire, et ça me trottait un peu dans la tête. Finalement, j'en ai une. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je t'ai aussi offert une palette, pas de la même marque, et j'espère qu'elle va te plaire aussi. Voilà. Alors, le numéro 13, toujours pour les ongles, un favori pour moi. Alors, le numéro 13, le numéro 13. C'est quoi? Ça se présente comme ceci. Moi, je pense que c'est des sortes de stickers, non? Je sais pas. Ça va dur à ouvrir ça. Voilà. Voilà. Je vais aller direct. Franco. Oui, c'est des stickers de chez Bourjois. Alors, c'est des nail art trendy. C'est des pochoirs autocollants. D'accord. Alors, c'est des pochoirs autocollants. Stencil, sticker et bobine de fil à décorer. Regardez-moi ça, ça se présente comme ceci. Je ne connais pas, j'ai jamais essayé ce genre de choses. Enfin, je vais les essayer et je vais t'en parler très très bientôt, ma belle. À tester, à tester. Et c'est écrit que c'est en partenariat avec la blogueuse Nail Art. Pchit! Apparemment, c'est elle qui a lancé ça, je sais pas. Merci beaucoup, je vais tester ça et je vais te dire ce que j'en pense. Et ensuite, il va rester que deux produits, que deux articles. Donc le numéro 14, son parfum est juste à tomber. Des parfums. Qu'est-ce que j'ai stressé quand je t'ai envoyé le tien, franchement. J'avais peur que tu n'aimes pas. C'était le seul produit où je stressais vraiment beaucoup, beaucoup. Ouh là là. Franchement, je suis ravie. Tu me fais découvrir une marque que je ne connaissais pas et j'ai l'impression que je vais tomber vite amoureuse de cette marque parce que déjà les packagings sont sublissimes. C'est toujours Jeanne en Provence et c'est une eau de parfum à l'amande et à fleur de mûrier. Le temps des secrets qu'elle s'appelle. Alors, c'est comme ceci. La boîte est comme ceci. Et ouvrir pour sentir. Déjà, amande, fleur de mûrier, je pense que ça doit sentir trop bon. Waouh. La boîte est sublime. Regardez-moi ça, les détails. Elle est trop belle. On va découvrir l'odeur qui se cache dans cette eau de parfum. Alors, j'ai du mal à ouvrir la boîte parce que j'ai coupé mes ongles à ras. Ça va être dur. Allez, s'il te plaît, la boîte, j'ai pas envie de te déchirer. Allez, un petit effort, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Patience, les filles, je suis désolée. Pour celles qui trouvent mes vidéos trop longues, eh ben, si vous n'aimez pas, je suis désolée, hein, c'est comme ça. Sérieux, j'arrive pas à l'ouvrir. Bon, voilà, j'ai réussi. Ouf! Alors, on a ça à l'intérieur. Jeanne en Provence, établi à Grasse. Alors, c'est un dépliant avec tous les produits que la marque propose. Je vais garder ça précieusement parce que c'est une marque qui a l'air de beaucoup me plaire, qui me plaît en tout cas énormément. La bouteille est sublissime. Regardez, c'est très vintage, c'est très rétro. Il y a un camé, et je ne sais pas si je vous l'ai dit avant, mais en fait, il y a ce camé, on le retrouve dans toutes les bouteilles. Regardez.
Pour celles qui ne savent pas ce que c'est qu'un camé, c'est ça. Je vais vous montrer ça sur le dessin. Alors, c'est la dame qu'on voit ici. Vous voyez? C'est une sorte de camé. Le camé, c'est un pendentif en relief d'une dame des temps baroques. Et en fait, maintenant, on appelle ça camé et on l'utilise dans tout ce qui est rétro-vintage baroque. Et j'ai remarqué que c'est l'emblème de cette marque-là. Et je sais pas comment vous expliquer ça, mais j'ai toujours été attirée par ce genre de période, d'époque, et du coup cette marque m'attire énormément. On va sentir l'odeur. Alors, c'est amande et fleurs de mûrier. C'est très frais. Vous voyez les... Comment on appelle ça? Les fruits bleus. C'est-à-dire les mûres, les baies sauvages, le parfum, le yaourt fruit des bois, vous voyez? En fait, c'est exactement ce que je retrouve comme odeur subtile à l'intérieur, mais tout en fraîcheur. C'est très agréable. Par contre, j'arrive pas encore à détecter l'amande. Je ne détecte pas encore l'amande dans ce parfum-là. Peut-être à la langue, ça va se transmettre. Ça va arriver. Mais pour le moment, je perçois les odeurs des fruits bleus. Voilà, des fruits des bois, des fruits de la mûre. Parce que c'est écrit fleur de mûrier. Je pense que c'est vraiment ça. Ça sent très très bon. C'est exactement le genre de parfum que j'adore porter. C'est très frais. Alors... je vais l'utiliser tant qu'il fait encore chaud, mais après je vais le garder pour le printemps prochain parce que je trouve que c'est une odeur très fraîche pour le printemps-été. C'est vraiment, ça se marie très très bien pour ce genre de saison. Merci beaucoup. Franchement, la bouteille, j'arrête pas de la regarder. J'oublie même de vous regarder vous dans la vidéo parce qu'en fait, c'est une bouteille que j'aime énormément. Ça y est, je perds mes mots, je suis déconcentrée. Je vous la remontre. Et on va passer au tout dernier produit. Franchement, je suis un peu triste, mais je suis ravie de tout ce que j'ai reçu parce que franchement, c'est des produits magnifiques. Bon, c'est pas de moi, hein, magnifique, mais bon, vous savez qui dit ça d'habitude. Alors, pour le dernier produit, et non des moindres, alors le numéro 15, un petit plus, car je sais que tu aimes les accessoires. Alors... alors là, c'est des bracelets. La couleur est trop jolie. Regardez-moi ça. C'est un kit de bracelets très flashy. J'ai click and six. Alors, ça donne ça, portée à peu près. C'est trop joli. Les couleurs flashy comme ça, c'est tout moi. J'adore les couleurs. Franchement, c'est trop sympa. C'est vraiment trop joli. C'est joli, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Vous me dites ça en commentaire. Perso, j'adore. Merci beaucoup. Alors, on en a fini avec les produits. Et je vais vous montrer l'intérieur du carton. En fait, regardez ce que j'ai à l'intérieur. J'ai ceci. C'est des bonbons et je vais me régaler. Alors, comme je vous disais, Mademoiselle K, qui n'est autre que Ibtissem, elle s'appelle Ibtissem. Alors, c'est une fille en or, je la remercie de tout mon cœur. C'est mon tout premier swap et franchement, je suis ravie, je suis très contente. Et je t'envoie plein de bisous. J'espère de tout cœur que ce que je t'ai envoyé t'ai plu. Et puis... à très très vite et je vous embrasse toutes les filles et Ibtissem également. Mouah, ciao ciao les filles.